Bonjour à tous. Aujourd'hui, Béatitude reçoit Isabelle Dos. Isabelle, bonjour. Bonjour Céline. Alors, Isabelle, tu es infirmière et tu as créé en 2021 une association à but non lucratif qui s'appelle le Repaire d'IDZEN et qui s'adresse en fait aux femmes atteintes d'un cancer à Beaune et l'agglomération beaunoise, on va dire. Alors, toi-même, tu as vécu cette épreuve du cancer du sein en 2019. Alors, j'imagine que cette idée est née à ce moment-là. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est ça, effectivement, pendant les chimiothérapies, on donne de la cortisone pour les supporter. Et en fait, il faut savoir que la cortisone empêche de dormir, provoque vraiment des nuits blanches. Et vu que les chimiothérapies sont fortes, en tout cas les miennes étaient fortes, puisque j'en avais une toutes les 3 semaines pendant 6 mois, j'avais des grosses, grosses doses de cortisone. Et du coup, pendant 3 jours et 3 nuits, je ne dormais pas. Et en fait, voilà, je passais mes nuits à chercher sur Internet des choses pour me venir en aide pendant la maladie, parler à d'autres femmes. Donc, je me suis renseignée, j'ai vu des choses comme Reuse Up, voilà, à Paris. Il y a beaucoup de choses qui existent dans les grandes villes, mais pas forcément dans les petites villes. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer quelque chose sur Beaune. Oui, parce qu'en fait, il y a des structures adaptées, mais c'est plutôt Dijon, Voilà, Chalon. Dijon ou Chalon-sur-Saône. Voilà. Voilà. Et donc, il n'y avait rien à Beaune. Alors, il y avait des choses, mais pas ce que j'avais besoin. Oui, Voilà. d'accord. Moi, j'avais besoin de rencontrer d'autres femmes qui passaient par la même chose, faire des choses ensemble, des ateliers, des rencontres collectives. Et il existe parfois des choses, mais plus en individuel, surtout pendant la maladie, en fait. Voilà. En fait, ce que tu dis, c'est que quand on est malade et qu'on est chez soi et on souffre un petit peu de solitude, quoi. On est un peu seul avec, Exactement, en tête à exactement. tête avec sa maladie, C'est quoi. ça. En tête à tête avec sa maladie, en tête à tête avec la vie qui continue, avec les enfants qui continuent d'aller à l'école, le mari aussi. Et en fait, ben, faut gérer tout ça et c'est pas simple. Non. Donc c'est bien de se sentir soutenu et d'avoir des occupations Exactement. par ailleurs qui te, voilà, qui te vident la tête, Voilà. qui te changent les idées. Occupation, rencontres, des petits tips aussi. Qu'est-ce que tu appelles Alors, tips? tips, c'est-à-dire, voilà, une femme dit, ben, moi, j'ai fait ça parce que, voilà, mes douleurs, j'ai trouvé ça me fait du bien. Et ben, voilà, c'est un petit tips et on n'y pense pas forcément quand on est tout seul. C'est des échanges de bons conseils en fait. Exactement. Des échanges entre femmes qui vivent la même chose. Mais ouais, Voilà. c'est ça. Qu'est-ce que concrètement le repère d'IDZEN propose aux femmes qui sont atteintes d'un cancer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il est proposé plusieurs choses. Il est proposé des ateliers bien-être et sportif. Donc vous avez accès à du sport adapté. C'est un partenariat avec la maison de santé de Beaune D'accord. et un prof de sport adapté agréé. Il y a aussi des ateliers le mardi soir et le jeudi soir. Et ça varie entre Qigong, Pilates, relaxation, sophrologie, marche douce. Et là, pour cette fin d'année, il va y avoir deux nouveautés. Il y aura du yoga et de la boxe thérapie. Waouh. Voilà, j'essaie un petit peu De de diversifier l'activité. diversifier l'activité. Par contre, vu que j'œuvre localement, je travaille vraiment avec les gens locaux aussi. Ouais. Voilà. Donc c'est que des profs Oui, qu'on peut retrouver à exactement. Beaune et dans les environs. Exactement. Ok. Tu proposes aussi une écoute téléphonique, alors que tu as Oui. appelé comment? En fait, c'est de la paire aidance. Voilà, c'est moi qui réponds au téléphone. Voilà, alors paire aidante, pourquoi? Bah, parce que j'ai eu un cancer du sein en 2019. Je suis passée par l'ablation du sein, par la chimiothérapie, par la radiothérapie, aujourd'hui par la reconstruction, par l'hormonothérapie. Donc en fait, voilà, j'ai, on va dire, une petite expérience dans le cancer du sein. D'un parcours. Voilà, et en fait, paire aidance, parce que justement, ça s'appelle comme ça maintenant, c'est un père qui aide. Voilà. D'accord. Oui, c'est Quelqu'un qui quelqu'un qui a est. vécu la C'est même chose que ça, toi, qui exactement. t'aide. Voilà. Enfin, oui, parce qu'en fait, tu es là pour d'abord écouter. J'écoute, exactement. Je renseigne, je personnalise. C'est-à-dire que moi, chaque femme. Les femmes, elles peuvent m'appeler à n'importe quel moment de leur maladie. Mais ça peut être au tout début quand on leur apprend, mais ça peut être après qu'elles aient vécu le plus gros de la maladie parce que bah, elles avaient envie de rester seules par rapport à ça. En fait, c'est hyper personnel, hein, Le comment on rapport à la vit maladie, exactement. On n'a pas forcément envie ni d'en parler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont un cancer qui n'en parlent pas du tout à leur famille.
Il y a juste le mari qui est au courant. Et si par malchance, elles n'ont pas de mari, bah, alors les enfants sont même pas au courant, en fait. Ah oui, on est vraiment. Il y a des sujets encore très tabous comme ça. Ah On a beau être en ouais. 2023, ce n'est pas si C'est simple de quoi? parler. C'est la peur de voir la pitié, la compassion dans les yeux des autres? Ben, déjà, c'est parce que le cancer aujourd'hui est assimilé à mort, inévitablement, Qui est alors comme que un mort c'est faux. Aujourd'hui, un cancer pris vraiment à temps, on en survit quand même énormément. Évidemment, malheureusement, il y a encore des cas où voilà, c'est foudroyant, mais la recherche avance, on a cette chance-là. On a cette chance d'être en France et puis d'être pris en charge aussi intégralement, hein, voilà, quand on a cette maladie-là. Donc, il y a voilà, des belles assos qui existent de partout pour essayer de rompre la solitude et l'isolement. Et moi, c'était vraiment ce point-là qui m'intéressait dans la création de l'association. Ouais. Et tu proposes aussi, enfin l'association propose aussi des réductions tarifaires. Oui, voilà. Donc, en fait, tout ce qui est soins de support, on en parle énormément aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent aider, que ce soit des massages, que ce soit de l'homéopathie et d'autres soins divers et variés, sauf que rien n'est pris en charge par la sécurité sociale. Les mutuelles, un petit peu, voilà, selon la mutuelle que l'on a. Mais par exemple, une psychothérapie, c'est 60 euros de l'heure. Bah, quand on est malade, ce n'est pas une fois tous les 3 mois dont on a besoin. Voilà, C'est c'est sûr. à minima une fois par mois et même 2 fois par mois. Et bah, 60 euros, tout le monde ne peut pas se le permettre. Bien Donc sûr. là, l'association prend en charge la moitié du prix des séances. D'accord. Voilà. Donc dans tout ce qui est acupuncture, hypnose et psychothérapie, l'association prend en charge voilà, des séances pour moitié et je m'adapte surtout aux besoins de la patiente. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont plus besoin de psychothérapie, elles en auront un peu plus. Il y en a une autre qui préférera voilà, l'acupuncture parce que c'est ses besoins. Et ben, on ira plus vers ça. En fait. Je fais vraiment du personnalisé. Ouais, c'est chouette. Ben, c'est ça qui me tient à cœur, surtout, en fait. Évidemment. Et oui, c'est une association de toute façon qui est chère à ton cœur. Hein, ça, on l'a bien compris. On sait, enfin, et on sait pourquoi. On comprend pourquoi surtout. Donc justement, aujourd'hui, profite de ce moment et de cette vidéo pour demander un petit peu ce dont tu aurais besoin pour faire vivre cette association, pour la faire grandir. Voilà, je sais que ce qui te tient à cœur, ce serait un lieu, ce serait Ce voilà. sera une maison d'accueil, ce serait merveilleux, une maison d'accueil à Beaune ou dans un village alentour pour pouvoir augmenter les heures d'accueil. J'aimerais avoir une pièce dédiée très cocooning où les femmes pourraient venir ici juste boire un café, papoter, avoir des livres, lire, échanger, voilà, et que ce soit possible à n'importe quelle heure du jour. C'est pas si simple, il faut des fonds, comme toute association. Alors, je suis une association loi 1901, je suis reconnue d'intérêt général. Donc, du coup, tout don est défiscalisable, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Voilà, c'est une notion importante. Et puis voilà. Oui, un endroit, une maison de bien-être où effectivement il pourrait y avoir des cours, C'est comme ça, c'est déjà le voilà, cas, c'est ça. des Et cours de surtout, vie. c'est pour mettre en place des cours en journée, parce qu'aujourd'hui, je ne peux mettre en place que des cours donc en soirée, par rapport voilà, à un local que la ville de Beaune me prête, donc je les remercie. Mais c'est le soir à 19h et 19h-20h, donc quand on est malade, parfois, c'est fatigant de ressortir le soir, quoi. Les journées sont longues, Oui, en plus, c'est les journées ça, sont longues, on a voilà. envie de les occuper C'est ça. et sortir le soir, c'est Voilà, plus compliqué. c'est ça. Donc, il y a ça aussi que je mets vraiment en avant auprès des femmes, c'est-à-dire que l'adhésion est de 20 euros par an. Donc, vous vous inscrivez en juin 23, ça va jusqu'à juin 24. Voilà. Et là où je suis assez relaxe et c'est voulu, c'est-à-dire qu'on s'inscrit par SMS pour un atelier, pour que moi je puisse gérer la présence des bénévoles, parce que pour une personne, je ne fais pas déplacer une bénévole, mais pour deux, les bénévoles viennent. Par contre, effectivement, une femme peut s'inscrire et elle peut se désinscrire jusqu'à une demi-heure avant l'atelier. Parce que, ayant vécu la maladie, je sais que le matin, on se lève, on est bien. À midi, on est fatigué. On fait la sieste, ça va mieux. Et par contre, on pensait aller à l'atelier le soir et finalement, on ne peut vraiment pas. Voilà. Donc, en fait, cette
D'être très flexible en voilà, fait. Voilà, exactement. Mmh. Flexibilité, c'est absolument nécessaire et c'est OK. Et il n'y a pas de jugement. Je suis passée par là, je comprends. Mais oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Okay. Voilà, donc on adhère, on peut faire tous les ateliers comme on peut en faire que un. C'est, voilà, c'est à disposition des femmes. D'accord. Donc, un local, ce serait super. ceux qui veulent donner, donc c'est exonéré d'impôts. C'est ça. Donc, ce serait super aussi. Est-ce que tu as besoin de bénévoles? Alors, pour le moment, non, parce que ben, au regard de l'argent que j'ai du local, non, j'ai déjà 8 merveilleuses bénévoles, dont un garçon. Pardon, Jean, voilà, qui fait le sport adapté à la maison de santé, Jean, voilà. Mais effectivement, si demain j'avais un local, et si j'ai un local, j'augmente le nombre d'ateliers en journée, évidemment que du coup, j'augmenterai mes bénévoles. L'idée étant de faire travailler voilà, plusieurs profs de yoga, plusieurs profs de relaxation, plusieurs profs, voilà, pour faire travailler le tissu local, en fait. C'est vraiment l'idée. Merci pour cette très belle association que tu as créée. On compte sur vous pour aider Isabelle à faire vivre cette association, justement. Isabelle, si tu as un dernier message, c'est maintenant. Le dernier message, prenez soin de vous, surtout. Et à toutes ces femmes qui pensent qu'on n'est jamais fatigué, que ça ne nous arrive jamais, c'est faux. Donc, soyez vigilantes aux petits messages de vos corps, parce que ce n'est pas pour rien que votre corps vous les donne. Allez, on s'écoute. Voilà. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci Céline.